C'est l'heure de jouer au meilleur jeu de l'année. Potionomics, bien sûr. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails de chaque élément. Peut-être, mais du coup, je vois pas l'utilité de faire un nouveau Sims. Alors, c'était un nouveau jour. Pour rappel, Potionomics, un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai hérité de la boutique de potions de mon oncle dans une ville que je ne connais pas, donc je viens d'arriver en ville. Je m'appelle Brioche, je viens d'arriver en ville. Et on a hérité également des dettes absolument terribles de notre oncle. Donc il faut qu'on les rembourse. Pour les rembourser, il faut qu'on gagne un concours qui a lieu dans quelques jours. Et c'est un peu ça l'histoire. Au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne, on fabrique des potions, on essaie d'apprendre un peu plus sur la conception, le brassage des potions, tout en améliorant notre boutique, on fabrique les potions, on vend les potions dans un mini-jeu, enfin pas un mini-jeu, mais ça a une dimension un peu de jeu de cartes à ce moment-là, c'est assez sympa. Et en plus de ça, il y a plein de personnages qu'on rencontre au fur et à mesure et qui sont très chouettes et avec qui on peut visiblement améliorer les relations, donc un petit côté Stardew, je pense. Il manque plus que la ferme. Voilà, ouais, je suis triste, je peux pas aller planter mes racines de mandragore toute seule, mais... Et chaque jour, donc, il y a un contexte différent, un contexte économique, on va dire. Donc aujourd'hui, il y a la fièvre des escape rooms, donc les potions de mana valent plus cher. Donc je peux faire max potion de mana et me faire du fric. When it rains, it pours. Il y a une zone dans le jeu qui s'appelle donc le marais aux champignons, je crois. Il a de meilleurs loot et les ingrédients qui viennent de là-bas vont coûter moins cher. Et enfin, il y a une régulation du marais aux champignons. Les monstres sont plus faibles. Ils laissent tomber moins de loot. Et les ingrédients vont coûter plus cher. On a un problème, c'est que là, c'est le contraire total. Donc en fait, c'est le même prix. C'est le même prix que d'habitude. Ça coûte moins cher, mais ça coûte plus cher. Je suis pas très forte, mais je crois que ça veut dire que ça coûte pareil. Cela dit, l'événement du milieu, là, il dure 2 jours. Donc il durera encore le lendemain, alors que celui-là, à droite, il s'arrête aujourd'hui. On est d'accord que le modèle économique des Sims est catastrophique pour les joueurs, surtout s'ils veulent que tu rachètes les DLC pour le 5. Oui, non mais... Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont sortir un nouveau jeu, tous les gens qui ont investi dans le jeu et les DLC et les kits et tout de la version d'avant, en gros, c'est bye bye l'argent, c'est fini. J'ai donné tout cet argent pour rien. Je comprends pas. C'est si cher. Ça coûterait moins cher, ce serait moins compliqué. Je sais pas, il faut qu'ils réfléchissent à ça parce que ça peut pas continuer comme ça. En vrai, qui achète vraiment tous les Sims? Le jeu et les DLC et les kits et tout. Je suis curieuse de savoir combien de personnes au monde vraiment l'achètent. À mon avis, c'est la moitié des joueurs, voire moins. Oh, j'ai une grosse bulle qui est passée. J'ai pas l'habitude de boire du soda. Allez, commençons la journée. Alors, donc le temps ne se découle pas tout seul. Le temps va s'écouler en fonction des différentes activités que je vais faire. Voilà, par exemple, ouvrir le magasin de potions, ça va me coûter 2 time slots. Les time slots, c'est les cases là autour. Il y en a 4, 5, 6 en tout. Là, nous sommes au tout début du matin. De toute façon, j'ai rien à vendre, j'ai rien sur mes étagères. J'ai une grosse potion de... Une potion mineure. Je pensais que c'était une grosse potion de mana. D'amélioration de la vue. Mais il faudrait que je réussisse à avoir d'autres choses pour rentabiliser l'ouverture. Parce que ouvrir pour vendre une seule potion, c'est un peu bizarre. Sur les Total War Warhammer, les DLC payés dans le 1 débloquaient le même contenu dans le 2 et maintenant pareil dans le 3. Oui, ou alors, je sais pas,
typiquement un système d'abonnement pour qu'ils te permettent d'obtenir tout le contenu. Non, même pas, je sais pas. Ou une réduc, un club quand tu achètes les trucs et que tu les achètes tous et tout, tu fais partie du club et ça te donne une réduc pour le suivant, je sais pas. Mais tout faire réacheter, c'est chiant. C'est très chiant. Alors, il me faut fabriquer des potions. Allons cuisiner des potions. Ouais. Alors, il faudrait que je m'entraîne pour le concours. Le concours, il faut que je fasse 3 potions. Il faut que je fasse ces 3 potions-là. En version commune. Celle-là, je la connais. La potion commune de mana. La potion commune de santé, je crois que je ne l'ai jamais faite. Et la potion commune de Fire Tonic, je n'ai jamais faite non plus. Ni même celle d'avant. Donc il faudrait la santé, mais en plus fort. La santé, il me faut un rouge, un vert. Enfin, il me faut du rouge et du vert. J'imagine, ça veut dire en quantité équivalente. Là, j'ai du vert et du jaune, ça m'intéresse pas. Là, j'ai du rouge et du vert. Non, c'est pas là qu'il faut le mettre. Mais il me faut 2 ingrédients. Donc il me faudrait un autre ingrédient qui soit rouge et vert. Parce qu'une potion, ça ne peut être fabriqué qu'avec 2 ingrédients. Il faut aussi que j'achète du foin, si je peux en trouver. Alors, pour obtenir des ingrédients, a priori, il y a 2 options. On va aller voir. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est Muktuk. Muktuk, c'est pour la fabrication de chaudron. On verra plus tard. Je vais aller voir Mint. Mint, l'aventurière de la guilde des héros. Que je peux embaucher pour aller chercher des trucs. Et avec qui je peux discuter, passer un bon moment, tout ça. Alors, je peux l'emmener là-bas. Ou là-bas maintenant. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a là et là-bas. Là, je sais qu'elle m'avait ramené des trucs verts, je crois. Enfin, tout ce que j'ai dans mon inventaire, là, c'est elle. Et donc là, les monstres sont plus faibles à cause du debuff de la journée. Mais les ingrédients coûtent la même chose. Il y a moins de loot ou il y a plus de loot? Je crois qu'il y a moins de loot. Est-ce que je lui donne une petite potion de santé là pour qu'elle aille plus loin? Si je lui donne rien, il se passe quoi? Ok, là elle loupe un truc. Ah, elle a pas assez de... Ok, ça la fait vraiment pas aller. Un monstre du loot. Et là elle peut pas continuer. Ah, c'est pas grave. Mais là ça me donne... du loot venant d'un petit monstre. Ouais, mais sachant qu'il y a moins de loot à cause du debuff du jour, je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Ok, test. Ah ouais, elle peut en faire que 3. C'est plus dur par là, j'ai l'impression. Et là, du coup, par exemple, si elle va là, là, elle peut aller plus loin, non? 1, 2... 3. Ah mais elle a plus de mana. C'est le mana qui gêne. En fait elle a que 3 de mana, ça équivaut un peu à son endurance. C'est-à-dire qu'elle ne peut faire que 3 combats. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, techniquement, il faudrait que je crafte des potions pour en vendre, mais aussi pour avoir un meilleur loot. Tant pis, pas aux champignons, on a dit. Va... Voilà, va voir là-bas ce qu'ils ont. Tu peux en faire 3, non? Et voilà, quand il y a une des 2 barres, là, de santé ou de mana qui arrive à 0, elle peut plus avancer. En parlant de Warhammer, j'ai racheté des figurines, hâte de les peindre ce week-end. Putain, mais je l'ai pas fait souvent, mais qu'est-ce que c'est bien de peindre des figurines Warhammer, c'est trop cool. Coucou Rimen. C'est super agréable à peindre, je trouve, les figurines Warhammer.
Allez, vas-y, Mint. Je sais plus combien ça m'a coûté, je crois que c'est pas trop. Faut que j'aille voir Baptiste aussi. Bon, il va encore essayer de me draguer, mais il doit me ramener un truc, normalement. J'avais payé pour qu'il me ramène un truc. La quête a été un succès. Voici le butin. Oh, j'ai eu un objet bonus. Donc j'ai eu 4 poulpes. Pieuvre. Poulpe. C'est quoi la différence entre un poulpe et une pieuvre? Pas un jour sans qu'on apprenne un truc. Calamar, je sais à quoi ça ressemble, c'est pas ça. Ah! C'est la même chose. C'est la même chose? Je cherche un site fiable, Larousse. C'est la même chose. Pieuvre ou poulpe, c'est pareil. Sachez-le. Donc 4 poulpes, parce que je trouve que le mot est plus rigolo. Et un funéral pailleur. Non mais j'en ai marre de sursauter tout le temps, moi. Funeral pailleur Enoki. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un champignon. Et les petites cases en dessous, elles sont rouges, donc c'est pas bon. Donc lui, il fait 24 Magimems. Rouge. Et lui, il fait... Oh la vache, 88, 88, 44, 44. Voilà, la puissance du truc. Bon, bah donne. What the fuck. J'investis, de nouveau. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu me proposes? Bog beet. C'est beet, betterave. De la betterave. Si je passe... Ah, ça me coûterait 108 pour avoir un ingrédient rare, ok. 108 et j'en aurai 4. Ah oui, c'est 4 à chaque fois. Et c'est pareil en fait. C'est les mêmes pourcentages tout le temps. Comme je sais pas compter, je mets tout à 4 et je regarde. C'est ça qui me coûte le moins cher. C'est une larve de mouche pourrie. Rotfly. Larva. Oh, ça donne que 4 jaunes. Cela dit, 4 jaunes. Juste 4 jaunes, ça peut être bien pour balance des potions, en vrai. Ça, c'est quoi? Un œil de golem... Un diamant d'œil de golem. Ah, 12 et 12. 12 verts, 12 jaunes. C'est pas mal. Et ça, c'est quoi? 27 verres. 27 verres, c'est pas mal. Hein. Non, mais je pense que je vais prendre ça. Parce que c'est pratique si c'est que du jaune. 4 jaunes et un trait... ça a l'air d'avoir bon goût. Ça pousse dans les cadavres les plus frais. Pour leur qualité juteuse. Miam, miam. Ok, si mère Baptiste, au revoir Baptiste. Je vais aller au shop, voir si je peux acheter des trucs, du coup. Salut, Queen! Salut, Sylvia. J'ai entendu dire que tu étais occupée. Oh oh, qu'est-ce que t'as entendu exactement? Rien de particulièrement intéressant. Mine t'a juste mentionné que tu as travaillé avec les héros de la guilde. La guilde des héros. Ah, et c'est trop sympa de me donner les vrais ragots. Ah non, elle est trop gentille pour me donner les vrais ragots. Ah, je m'étais pas rendu compte que vous connaissiez. Alors, je connais tous les héros. Après qu'ils aillent dans leurs petites aventures, ils vendent leurs items pourris à mon magasin. C'est en fait tout mon business model. De la merde rentre, de la merde sort. N'importe quoi. Bien sûr, ils gardent le meilleur stuff pour leurs clients. Donc j'imagine que tu as eu quelque chose d'intéressant dans ton inventaire au moins une fois. Peut-être quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Ah, ça t'intéresse?
Donne-le-moi. Quoi ? Non ? Pourquoi je ferais ça ? Comme tu veux, j'essaie juste de t'aider. Tu sais comment ça marche ? Si tu mets tes mains sur un ingrédient cool, tu as hâte de l'utiliser dans une potion, n'est-ce pas ? Donc tu le jettes dans ton chaudron et paf, ça a disparu. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ah bon ? Facile ! Donne-le-moi à la place. Ma clairvoyance... Ah, j'ai oublié d'ouvrir Google Trad, c'est dommage. Ça veut dire quoi ? Rune. Aiguise. Ma clairvoyance aiguise. S'aiguise. Let's me hone in. Hone in. Affine. Bref, si tu me donnes quelque chose de bien, je vais pouvoir t'en trouver plus. Et ensuite, je peux commencer à proposer cet ingrédient en vente dans mon shop. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que pour l'instant, son shop, c'est un pote de la demeure. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose. Tu vas rater la gratification instantanée, mais tu as la garantie d'avoir accès à l'ingrédient plus tard. Ah ouais, d'accord. Je vois en quoi ça peut être pratique. Je te dirai si je décide de t'écouter là-dessus. Là, tu vois, tu me donnes des trucs gratuits et on en profite tous. Surtout moi, mais quand même. Je l'aime bien, Queen. I would not expect you to operate in any other way. Je n'en attends pas de moins de toi. Mais, puisque tu es pote avec tous les héros, est-ce que ça veut dire que je vais te croiser dans le hall de la guilde ? Non. Malgré les services de valeur que je propose. Comment on dit ? Inestimable, voilà. Malgré les services inestimables que je propose aux héros, je suis pas vraiment bienvenue dans leur clubhouse. Tu allumes un feu et d'un seul coup, tout le monde te traite comme si tu étais une menace. Tu allumes deux feux et t'es banni pour la vie. Comment ça, tu as fait deux feux ? Considère-toi averti, je suppose. Maintenant, est-ce que tu veux acheter quelque chose ? Donc si je lui donne un truc, je pourrais lui acheter après. Parce que là, son shop... Voilà. Son shop, quoi. Par exemple, il a pas de foin. Mais si je lui donnais du foin, comme un cheval, là, d'un coup, je pourrais en acheter chez lui. C'est ça qu'il veut dire, je crois. Et si elle fait trois feux ? On va espérer ne jamais voir ça, par pitié. Je crois que c'est il. Je crois que c'est il, Queen. C'est pas clair. J'arrive pas trop à savoir. Tant pis, hein, mais malheureusement, dans la langue française, on est, entre guillemets, obligé de genrer et tout, de faire les accords, c'est chiant. Enfin, on est plus obligé maintenant, mais je sais pas bien faire. Je sais pas bien faire. Je crois que c'est il. Expand, c'est quoi ? Ah, ça, c'est les ingrédients que je peux offrir à Queen. Parce qu'en fait, j'aime bien le principe que ça soit un mec sorcière. Parce que j'en ai marre que les sorcières, ça soit que des femmes, alors qu'en vrai, les sorcières, ça peut aussi être des hommes. Des sorciers. Du coup. Je peux lui donner une pieuvre, est-ce que ça m'intéresse ? Je peux lui donner ça. Alors ça, c'est rare, non ? Ça, il a des stats de taré, hein. Mais ça coûte 280 ? Ça veut dire que ça me coûtera 280 de l'acheter chez lui après ? Il brille. Pourquoi ça brille comme ça ? Bon, je lui donne pour tester, je vais peut-être le regretter. Cool, donne-moi ça. Il l'a mangé ? Ok, donc ça sera en stock chez Queen demain. Très bien, très bien, très bien, très bien.
mais ça m'arrange pas trop pour mes histoires en fait. On a dit ça. On va faire des potions de soins. Ah non, c'est des potions de mana qui valent cher. Donc il faut que je reprenne tout ça là. Je sais pas s'il m'en reste en vrai. 18, j'ai 9 comme ça. Allez, je prends tout. Merci, il y en a plus. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est un poisson. Ça, c'est une gemme. Ça, c'est un slime. Ça, c'est une plante. D'accord, d'accord. Mais moi, il fallait que j'apprenne à faire ça, là. Un jaune, un rouge. Et ça, puissance 2. Donc, 2 rouges, 2 verts. Oh là. Putain, je vais jamais y arriver. Ok. Je vais aller voir le Mukmuk. Je vais aller voir. C'est probablement pas Mukmuk son nom. Muktuk. On peut papoter, hein. Ah, mais... Ah, mais ça prend du temps. Bon, je peux passer le temps comme ça. Très bien. Craft. Qu'est-ce que je peux craft? Ça, c'est le chaudron de merde. Mais ça, on s'en fout un peu. Ah, mais je peux en avoir 2. Ça, c'est quoi? Max ingrédients 7. Max magimim 140. C'est moins bien. Attendez, je veux rentrer. Moi, je me demandais si on pouvait avoir plusieurs potions, mais visiblement, non. Plusieurs chaudrons pour fabriquer les potions. Salut, Tagan. Oh non, non, c'est quoi? Recette, il me faut du jaune, du rouge, du vert. Ça, c'est beaucoup de rouge. Ah, c'est du jaune, merde. Ah, c'est du vert. Ça, c'est du rouge. Oh non, il y a du jaune là-dedans, c'est ça que je vais mettre. Du vert. Du vert. Du vert. Et ça me fait une potion mineure de mana. Bah merde. Du vert. Mais non, mais moi j'ai pas la mineure, je veux le tir au-dessus. Du coup, il me faut plus de rouge. Donne-moi du rouge. Mettre un poulpe. Ah oh non, je peux plus mettre d'ingrédients. Je suis au max d'ingrédients. C'est instable. Merde. C'est stable, mais c'est mineur. Du coup, c'est chiant. De bon, toute façon, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Ça en fait 3. Des potions de mana mineur. Je peux pas mettre plus. Donc en fait, de manière inévitable, il va falloir que j'ai des magimims avec des meilleures stats dans des chaudrons de merde. Comme celui-là, quoi. La balance est parfaite. Allez. Ça prend 3 time slots, là, c'est chiant. Comment elles se portent les potions? Ça va, ça va. Pas trop mal. Ça, je comprends pas ce que c'est. C'est un filtre. J'ai juste pas les bons... les bons ingrédients. En fait.
Bon, bah, je vais ouvrir le shop, hein. Pour une potion. Oui, oui, il faudra des meilleurs ingrédients, mais là, il y a la compétition qui approche, donc j'ai pas énormément de temps. Donc là, c'est la partie où je vends, je négocie ma potion grâce à mon deck. Qu'est-ce qu'il a ? Il est têtu. L'intérêt gagné est réduit de 25%. Et Complain, c'est un râleur, il va augmenter mon stress. Très bien, donc il a un shield en plus de 2. Donc, c'est chiant. 7M up. Rillemin. Et un shield. Et on ferme le tour. Ok, donc il lui reste 6. Je peux encore jouer 6 cartes. Plant the seed, c'est, ça augmente l'intérêt de 6 au début d'un tour. Mais j'ai 2 trucs pour close et un truc... je vais faire ça. Ah ouais, je peux pas faire grand chose. Ok, plus que 2. Je suis obligée de terminer. Et j'ai plus le... Close deal. Allez, 31%, c'est bien. C'est ok. Alors, on est où ? On est là. Est-ce que les... La potion, elle fait quoi ? Non, il reste un. Oh non. Et est-ce que elle est revenue? Je crois qu'il lui reste un aussi. Non, c'est bon. Alors, elle m'apporte du cactus. Ah, c'est un carburant, d'accord. De la golémite. 40 magimim, ça c'est pas mal. Du rouge, du vert et du bleu. Mais alors pas équivalent, donc c'est un peu instable peut-être. Le minéral qui pousse sur la surface d'un golem abandonné depuis longtemps. Et une puce de sphinx. 18 magimim. Merci, merci beaucoup. Mais repars à l'aventure, hein. Vraiment, tout le temps tu vas à l'aventure, mais je t'adore. Par contre, j'ai plus aucune potion à te donner, ça fait quoi? Ah, ça fait 3. Ah non. Elle a plus assez de vie. Oh non, mais c'est nul. J'ai pas le choix, vas-y. Oui, oui, j'ai pas le choix. Ok. Je vais donner un truc à Queen. Comme ça, je pourrais les acheter après. Expand. Ça, ça avait l'air pas mal en vrai, hein, quand même. 24 rouges. Tiens. Prends un poulpe. Donc demain, elle vend des poulpes. Ok. Rouge, 6 verts. Non, je vais pas lui donner. C'est tout. Le problème, c'est que je ne peux rien faire. J'ai pas de potion. J'ai pas de potion du tout. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais travel, je vais aller parler Bon, je vais parler avec Queen. Ah, il fait nuit. Ah, mais le temps a passé là. Ah, mais le temps a passé, je crois.
Mais du coup, ma potion, c'est bon? Pourquoi le temps a passé tout seul? J'ai pas vu. Non? Oui? Non? Ah, si, c'est bon. Ok. Bottle! Allez. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, là? Moi, je vais essayer de faire ça, un tonique. Il me faut un de rouge et un de jaune. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est vert et jaune. Ça, c'est jaune. Ok. C'est parti. Ça cuit. Là, j'ai pas besoin d'utiliser le carburant parce que je vais ouvrir la boutique de toute façon. Un, deux, trois. Est-ce que je vends les trois? Est-ce que j'en garderai pas une pour... si. Pour les quêtes de mint. Open shop. Il y a plus le temps. Mais le temps passe... Ah bon? Genre il m'a pas demandé mon avis. Depuis quand il passe tout seul le temps? Bon. Bah du coup j'aurais aimé mettre un truc pour accélérer parce que là ça... Je comprends pas comment s'écoule le temps. Je pensais qu'il y avait juste certaines actions qui géraient le temps, mais ok. Fin de la journée. Étrange. Étrange. C'est vachement sombre à droite, comme j'ai baissé la lumière. Quand je tourne la tête à droite, j'ai le visage complètement dans l'ombre. Dommage, alors que vous êtes à droite. Alors. J'ai perdu de l'argent. J'ai pas vendu de potion, donc j'ai perdu de l'argent aujourd'hui. Donc il me reste 6 jours avant la compétition. Et j'ai appris à en faire que 1. Allez, jour suivant. Pouf. Ah, la vie glamour d'une vendeuse de potions, d'une sorcière vendeuse de potions. C'est pas comme ça que j'imaginais. Fancy Witch. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Bah, une poitrine, déjà. Et derrière une... derrière une sorcière. Attendez. Attendez, c'est important, c'est important. Question de maillot de bain. Hello, je suis Sylvia. Que puis-je faire pour vous? Ça fait beaucoup de persos à marier. Oh, moi, ça me fait 3,5. L'avocate, au début, elle était bien aussi. Elle était bien aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Oh, tu m'as confondu avec un client, comme c'est adorable. Je ne suis pas un client, mon nom est Roxane. Bien sûr que ton nom est Roxane, avec deux N. Bien sûr. Et je suis une fabricante de potions de renommée par ici. Tu sais, j'imagine que ça fait de nous des rivales. Quoi?
Oh, on n'est pas l'air si paniqué, je ne suis pas là pour se saboter. Et si c'était le cas, eh bien on dirait que quelqu'un m'a devancé. Mais je voulais simplement te souhaiter bonne chance, ma chère, après tout. Juste parce que nous sommes rivales ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Vraiment ? Ah, c'est un grand soulagement. Je suis nouvelle en ville. Je m'appelle Brioche. Et j'aurais besoin d'un peu de conseils amicaux. Absolument. Commence par de l'eau savonneuse très chaude et un frottage intense. Quoi ? Non, mais je voulais demander à propos de la grosse compétition qui arrive. Ah oui, quelle journée ça va être ? Oh, je peux le voir d'ici, la foule en adoration, les cris d'adulation, l'énorme pile d'argent arrosée des larmes et des viscères de mes ennemis tombés. Je suppose que il faudra que je rince tout ça avant que je le dépense. Gulp. Alors, je t'y verrai, m'encourageant depuis les tribunes, peut-être. Et en vérité, j'ai l'intention de participer aussi. Quelle idée absolument charmante. S'il te plaît, ignore tout ce que j'ai dit à propos de moi laissant des petites pièces partout sur les récompenses. Des morceaux de toi partout sur les récompenses. Que c'était bête. Oh, merci, j'ai cru... Non, mais je prendrai grand soin de t'éviscérer avant que tu puisses arriver près de cet argent. C'est mal barré pour se faire de nouveaux amis. Oh chérie, j'ai dit qu'on était pas ennemis. J'ai jamais dit qu'on était amis. Elle est horrible, mais je l'adore. Les persos sont trop bien. Les persos sont juste tous. Trop bien. Le jeu est-il parfait ? Oui. Ça manque juste de pêche. Et je parle pas du fruit. J'ai pas lu. J'ai cliqué, j'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il dit, Hibou ? Elle avait raison à propos d'une chose. L'économie de Rafta... prolifère grâce à la compétition. On ne veut pas être les seuls marchands de potions en ville. New Frenemy Unlocked, oui. C'est vrai, juste le meilleur. Commençons par pas le pire. Et on va essayer de monter un peu plus après ça. Très bien. Merci Hibou pour les conseils et les encouragements. Alors c'est le deuxième jour de When It Rains, It Pours. Ce qui fait que les ingrédients du mushroom mayer, du marais aux champignons, coûte moins cher. Donc si je veux les acheter, où ? C'est si je veux les acheter à Queen. C'est là qu'ils coûtent cher les ingrédients. Ok. Et des meilleurs drops dans la zone. Ainsi que Dracophobia. L'observation de dragons est en plein succès. Et donc la peur des citoyens de combustion instantanée l'est aussi. La valeur des toniques de feu est augmentée. Bonne soirée Tagan. Va bien te reposer, pas de soucis, ne culpabilise pas, il y a les VOD sur Twitch. Oh là là, là attendez. J'ai pas lu Hibou. J'ai pas lu Hibou. Tu parles trop vite et moi je suis occupée. Le chaudron. Ça a fini de cuire ? C'est important. Bottle. Ok. Donc la valeur des bad traits, ça fait perdre de la valeur de 5%. Bon.
Ok. Cela dit, là, en ce moment, ça vaut plus cher, donc on réussira bien à les vendre quand même. Donc ça, c'est un fire tonic commun. Donc c'est bien. Common fire tonic, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et common mana potion, c'est aussi ce qu'il fallait que je fasse. Je comprends pas pourquoi on dirait des cases à cocher, mais je ne peux pas les cocher. Oh, mais c'est des filtres, je peux filtrer par... par couleur, j'avais pas vu. Oh, je peux enlever les potions, les carburants. Putain, mais le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien, est-ce qu'on l'avait dit? Alors, les toniques, ça marche bien. Cela dit, je ferais bien une potion de santé quand même pour Mint, qui va aller en vagabondage. Ça va mater les VOD en masse. Très très bonne idée. Un rouge, un vert. Donc je voudrais un A, un B. Et pas les carburants. Et pas les potions. Voilà. Ça c'est 12 rouges. Ça c'est 18 rouges. Non, 18 rouges, 12 verts. Et 10 bleus. Merde. Et là c'est 4 rouges, 4 verts. Ah, ça marche. C'est stable. C'est stable. Après... Et en carburant, j'ai combien de... J'en ai 3. Okay. Très bien. On va faire cuire ça. On va aller voir... On va aller voir tout le monde, là. Toi, tu me dois un truc. Salut Baptiste, la quête était un succès, voici le butin. Donc des larves de mouches pourries. Et un slime d'or, un slime doré, un slime de métal. Oh la vache, le slime de métal, 33, 33, 33, 33. Ah oui, c'est beaucoup, merci. Et si t'allais te balader à nouveau? Le champignon, c'est 4 verres. Ça, c'est 27 verres. C'est un trait positif et un trait négatif. Et ça, c'est 6 rouges. 6 rouges, j'en ai besoin, non? J'ai pas dit que j'avais besoin de rouge. C'était de rouge dont j'avais besoin. Pourquoi je peux pas ouvrir mon livre ici? Attends. Je vais mettre quoi dedans? Je l'ai déjà mis dedans, c'est ça. J'ai une pieuvre, 24 rouges. Ah, c'est compliqué. Je vais investir dans du... Mais ça, je peux l'acheter. C'est ça qui compte, c'est que je peux l'acheter au... Je peux l'acheter au... à Queen, ça. Ouais, là, ça me coûte 16 balles. Pour 4 comme ça, je pense que c'est pas cher. C'est pareil que Queen. Mais là, je peux avoir un ingrédient bonus, donc go. Voilà. Queen. Salut, c'est Larentis. Il est cool le jeu, j'hésite à l'acheter. Il est, pour l'instant, c'est un banger. 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10, il est trop bien. Queen, chère Queen. Chère Queen, je veux faire des potions de santé. Donc il me faut du rouge, du vert. J'ai pas mal de vert, j'ai pas beaucoup de rouge. Qu'est-ce que tu me proposes? Vache. J'ai pas les moyens de me payer ça. Bon, en même temps, je voulais pas. Mais ça, j'en ai encore du poulpe. Donc au final, je pense que je vais prendre
Je vais faire ça. Merci, au revoir. Pourquoi il avait l'air pas cher le poulpe? Pourquoi il est pas cher? Il est en promo? Il y a des promos. Pas tout compris encore, je crois. Brou. Bottle. Merci. Donc ça, j'ai une potion pour Micheline. Donnez-moi du verre. Ça, c'est les potions mineures. Moi, j'en veux en faire des plus fortes. Ok. Je crois que ça sert à rien. Brou. Brou brou. Ok, parce que là je vais perdre de toute façon en ouvrant le magasin deux de temps donc. Tiens, un tonic comme ça. Attendez. Ah, travel ça coûte 1. Où que tu ailles. D'accord, j'avais pas compris ça. C'est pour ça. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, Mint, moi aussi je t'adore, mais par contre je veux que t'ailles... Oh. 12 bleus et 18 jaunes. Bon, j'accepte. Il faut que tu repartes à l'aventure. Oui. Je sais pas trop où, mais par là. Oh mais ça a l'air plus dur. Va là dans la forêt là. Tiens, une potion. Deux potions. Test. Elle va jusqu'au bout, incroyable. Embarquement. À tout à l'heure. Faites-moi une offre que je ne peux pas refuser. Sympathie. Sympathie, ça augmente l'intérêt de 25 quand on fait gagner de l'intérêt. Pour un tour. Le problème, c'est que j'ai pas grand-chose. Ouais, mais là, j'ai rien. J'ai rien. Et elle fait quoi? Elle va augmenter mon stress. C'est nul ça, c'était une mauvaise main. Allez hop, je tank. Je suis pas stressée. Allez. Ah merde. Allez, je tente. Ok. Ah, j'ai un close it out, ça c'est bien. Rilamine. Non, pas du tout. Close it out, juste. Oui. J'ai failli faire partir le client.
Ok, suivant. Oh, c'est mint! Bonne nouvelle! J'ai fait de la place dans mon inventaire. Est-ce que tu penses que cette potion me donnera un peu de boost? Je t'ai donné plein de potions déjà. Elle est incertaine, ça réduit l'intérêt de 25%. Plan de seed. Voilà, ça va counter. Ok, fin du tour. Ok. Ok. Je ne sais pas. C'est vrai que ça coûte 2. Renaming Close It Out. Non. Encore un tour. Parce qu'il y a ça qui continue pendant ce temps-là. Ça les fait plus 8. Alors, 7 M-up. J'ai plus que 6. Donc, 7 M-up, Trizaline. Mais celle-là, il faut que j'utilise en premier. Sinon, ça. Ok, donc ça, puis sympathie, puis ça, et c'est fini. Close deal. Allez. C'est pas... ouais, je pense mon deck, faudrait peut-être le revoir. Hein. Bonne journée. Ok. Parfait. Ok. Ok. Plein de seeds, à mon avis, il lui reste plus que 8, on n'ira pas très loin. Donc Ou alors je fais ça. Fin de tour et on termine après. On peut même mettre un ça. End turn. Putain, mais il a toujours son. Il est dur en affaire, hein. Et ben. Pas ouf. Je fais pas des gros bénéfices là. Je suis pas convaincu de mon deck. Ça peut permettre d'augmenter la patience, c'est quand même pas mal. Ça coûte rien. Pump up, ça a l'air pas mal aussi. Putain, mais c'est compliqué de faire des decks, hein, vous savez. Skim, c'est bien. Je pense que je vais virer les Sync Sylvia Sync. Parce qu'on s'en fout. 7M up 3, Rilamine 4, c'est bien. Je pense 7M up. Ok. Donc, ça, c'est un combo qui va ensemble. Si je fais ça, ça augmente la valeur de ça. Brace yourself. Pour l'instant, pas vraiment de shield, quoi. Pas besoin. Skim, c'est bien. Plaine de seed, c'est bien. Sympathy. Ça donne 2 de shield et ça applique sympathie pour un tour. Ce qui fait augmenter tout l'intérêt gagné de 25%.
Je suis pas convaincue. Je vais l'enlever pour l'instant. J'ai envie d'essayer ça, qui permet d'augmenter la patience gratuitement. Comment on gagne des cartes? Ben, uniquement en rencontrant des personnages à travers des dialogues et tout, ils m'en donnent. Pump up, ça a l'air pas mal aussi. 50% de... Alors, soit je mets Sympathy, ou alors je me remets un Close It Out. Non, je vais essayer Sympathy. On va bien voir. Allez. Où en sont mes potions? Bottle. Merci. Qu'est-ce que... Ah mais c'est les toniques de feu qui marchaient bien aujourd'hui, j'aurais dû en profiter. Rouge et jaune. Rouge et jaune. Mais toi t'as 1000 autres trucs. Ah. Jaune. Rouge. Alors il me faut plus de jaune. Ça c'est 18 jaunes. Bon, je peux enlever mes... Ah, mais j'ai plus qu'un poulpe. C'était mon dernier poulpe. Oh, quelle tristesse. J'ai encore 2 slots et il me faut du rouge. La potion soit moins instable. Peut-être que je vire un comme ça quand même. Voilà, là est parfaite. Brou. Brou, mais 4. Brou, 4. Brou 1. Voilà. Arranger des potions. Open shop. On a tous survécu à un nouveau jour. L'artisan lugubre. Il va augmenter mon stress et il a le truc tension, ce qui fait que le stress est doublé. Déjà à 4% de stress. Ah, c'est un up. Et Rilemine. Ok, fin du tour. Alors, j'ai un bouclier là. Hop là, allez Nick. Captivate, ça augmente la patience de 1 et donc c'est gratos. C'est un opener, si j'utilise en premier ça augmente de 2. Donc il augmenterait la patience de 2, ça fait 4, 5, 6. Et donc, allez j'essaye. 6. Moins 2, 4. Moins 1, 3. Ok. Ok. Fin de tour. Non mais c'est ok, c'est ok. Ah, je peux lui remettre sa patience à 3. Puis mettre un 7 up. Pump up, c'est quoi? Et pump up. Il serait à 3. Moins 1. 2. Moins 1. 1. Je peux faire ça.
ça. Pump up. Setem up, ça fait 6. Et là, petit close it out. Au revoir. Ça, mes sympathies, ça dure qu'un tour. Un tour, ouais. Ok, fin de tour. Elle va perdre ça, du coup, là. Oui, voilà. Fait 3, 4, 5. Ok. Plus que 2 de patience. Oh là là, je suis stressée. On peut remonter à 4 de patience gratos, merci. Le choix. Allez, 40%, c'est pas mal. Merci, au revoir. Oh, mint. Ça fait un peu peur ici quand il fait nuit, mais il y a aussi beaucoup de beauté. Moi, si tu parles de moi, c'est gentil. Je suis sûre que ça va m'aider dans ma quête. J'en suis sûre. Allez. Hop là, la 13 de patience. Pump up. Et les mines. Ouf. Ah, du tour. Ok. Oh là là, je suis trop stressée. Merde. 6 dans la main à la fin du tour. Applique tension. Bah, c'est pas de chance. Ok, il n'a plus que 5. 1. 2, 3. Et fin. Oh, elle était dure en affaire aujourd'hui. Faites attention à vous, les monstres. C'est la fin. Fin de journée. Tu dois avoir des questions à propos de ton oncle. Comment il a vécu? Comment il est mort? Où est-ce qu'il cachait ses objets de valeur? J'ai peur que tu n'aies pas de chance. Ici, ce magasin est tout ce qu'il avait. Il a mis tout ce qu'il avait dedans. Pas juste de l'argent. Il a mis tout son cœur dans cet endroit. Si c'est vrai, pourquoi il est parti explorer l'île? C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Il a brisé la règle cardinale de la fabrication de potions. Il est sorti pour acheter ses propres ingrédients. C'est interdit, ça? Il aurait dû rester derrière le comptoir et le chaudron et laisser les trucs dangereux aux professionnels. Pour être honnête, je suis presque certain qu'il ferait les choses différemment s'il le pouvait. Mais on sait que c'est toi, mon oncle. On sait, Hibou, on a compris. Il faut que tu te rappelles
Rafta était une ville fantôme, quasiment, quand ton oncle est arrivé ici. Il y avait bien moins de héros aux alentours, ce qui veut dire moins de ressources, donc même les ingrédients basiques coûtaient cher. Il n'avait pas le choix que d'aller et de faire... de récolter par lui-même, de temps en temps. Son erreur, c'est à quel point il est allé loin dans ses trajets. Il ne se contentait pas de cueillir les champignons dans la forêt, il était trop... trop brave pour ça, trop ambitieux. En vérité, ton oncle ne serait pas heureux avec rien de moins qu'une expédition. N'était pas heureux avec rien de moins qu'une expédition au château de Maven, la citadelle hantée et qui tombe en morceaux, qui était à une époque la maison de la reine sorcière elle-même. Tu vois, ça a l'air super dangereux pour moi. Oh, en effet, tout le monde sait que le château de Maven est un endroit dangereux. C'est localisé au cœur d'une une zone dévastée, pleine de créatures bizarres. Mais le pire des dangers... Le pire est le danger, meilleur est le loot. Donc Oswald espérait trouver... de trouver quelque chose, un moyen de faire ressortir ses potions. C'est le cas. C'était une décision désespérée, prise en situation de grande détresse. Mais si tu y penses, c'était un plan plutôt osé. Ton oncle, il a tracé la route dans le cœur empoisonné de cette zone périlleuse. Oh, c'est trop long. J'en ai marre de traduire. En tout cas, c'est ce qu'on peut assumer, ce qui s'est passé avant qu'il meure. Est-ce qu'il pourrait être dehors, là, quelque part? Peut-être qu'il est en vie et qu'il attend d'être sauvé. Non, il est mort. Il est complètement mort. Super mort. J'imagine que si le lien de l'âme de Hélène est aussi est aussi solide que tu l'as dit, c'est qu'on n'y peut rien. C'est dommage. C'est dommage. J'étais petite quand il a déménagé ici, donc je l'ai jamais vraiment connu. Mais je me souviens qu'à chaque anniversaire. Il se souvenait de chacun de mes anniversaires. Il m'a acheté mon premier Easy Make Chaudron. Actuellement. Oh, j'arrive plus à traduire. Actuellement, j'ai dit. En vérité. J'ai toujours eu l'impression, en quelque sorte, de suivre ses pas. Maintenant, plus que jamais, hein. Je veux dire, regarde où tu es. Tu me fais penser à lui, tu sais. Oui, j'imagine que la menace qui pèse sur ma tête accentue la ressemblance. Je voulais dire comme un compliment. Ok. Dodo. Fin de journée. On a fait 6 potions. On a vendu 6 potions. J'ai gagné 401 balles. C'est pas mal. C'est pas mal. La question, c'est est-ce que pour le concours, il faut que j'aie mes propres ingrédients pour faire les potions demandées? C'est ça, la vérité. Je ne sais pas. Maintenant que le magasin est sur pied et fonctionne, on pourrait croire que tu sais ce qui t'attend. Oui, effectivement, c'est un peu ce que j'ai dit. Mais les clients... Les clients vont trouver de nouvelles façons de te mettre mal à l'aise. Tu vas bientôt avoir sans doute certains d'entre eux qui te demandent de pouvoir effectuer des commandes personnalisées. Comme quand tu commandes
deux douzaines de donuts à l'avance ou de l'ice cream cake ou les deux. Oh, ça me manque d'avoir full thune. Voilà. Concentre-toi. Ok. Les commandes personnalisées permettent aux clients de soumettre une requête pour une combinaison spécifique de potions. Mais tu as le choix d'accepter ou non. Accepter la requête te donne l'opportunité de vendre plusieurs potions d'un coup, ainsi que te donner le temps de rassembler tous les ingrédients dont tu as besoin pour le brassage. Ça a l'air intelligent. Je vais voir ce que les gens me demandent et puis on verra bien. Excellent. Maintenant, j'aimerais bien arrêter de penser aux donuts. Oh, j'en ai mangé un ce soir, il était bon. Avec des petits Smarties dessus, là. Miam miam. Oh là là, mais tous les événements. Calmez-vous. Événement numéro 1. Celebrity crush. Des rumeurs que le célèbre barde Xydriel s'est relocalisé à Rafta. Les habitants de la ville sortent beaucoup pour espérer le rencontrer. Il y a plus de clients. Mais les clients, de toute façon, sont dépendants de la quantité de potions que je fais, donc je comprends pas. Le château d'en dessous. Une forteresse. Sunken. Sunken, c'est quand ça coule. Inondé? Non. Effondré? Non. Enseveli? Enseveli. Une forteresse ensevelie a été redécouverte en dessous de la boue des marais. Ça promet d'être un donjon dégueulasse. Submergé? Submergé, ça implique quand même que ça soit de l'eau. Je suis pas sûre que ça soit sous l'eau. Là, c'est de la boue, donc c'est mi-eau, mi-terre. Les poisons, les remèdes contre le poison valent plus cher. Il y a des plus gros monstres dans le marais aux champignons et un meilleur loot. Pendant un jour aussi. Le Harvest Festival. À Rafta, la traditionnelle célébration de l'agriculture, du butin de l'agriculture, est marquée par des gourdes. Je comprends pas du tout le texte. Harvest Festival. C'est une fête marquée qui se démarque par une indulgence pleine de joie de vivre et des gourdes décoratives. Des gourdes de quoi? Engloutis d'après Gouloltrad. Bon bah peut-être, engloutis. Haggle customers, we start with sympathy debuff. Bon, les gens sont plus contents. Il y a plus de clients. Et les potions de base valent plus cher. Non mais des gourdes décoratives, ok. Très bien. Très bien, très bien. La forêt enchantée est un peu à sec. La guilde des héros alerte sur un manque de ressources de la forêt enchantée. Les monstres sont plus faibles, mais les loots sont moindres également. Les ingrédients de la forêt enchantée vont coûter plus cher. Ok. 5 jours avant la compétition. Common quality with 4 stars. Oui, j'ai compris, ok, d'accord. Faut que je change mon chaudron. Alors déjà, faut que j'aille embouteiller ce que j'avais mis à cuire, je crois. Apparemment, ça veut dire courge décorative.
D'accord. Oui, mais c'est Halloween, quoi. Mon beau chaudron. Quatre ingrédients max, 75 magimims. 6 ingrédients max, 110 magimims. 6 et 110. Ok. 6 et 110. Je vais craft un truc, puis me barrer. J'ai déjà oublié. 6, 110. 6 et 110, je crois. Qu'est-ce que je veux faire ? Les remèdes. Ouais, moi je veux faire des remèdes. Deux rouges, un bleu, un jaune. Alors rouge. Non, rouge et vert, on veut pas. Rouge et vert, on veut pas. Ça, y a trop. Ça, juste rouge. Ok, super. Eh ben. Ok, rouge. Un jaune, un bleu. Douze bleus. Ça, c'est trop. Ok, et un jaune. C'est instable. Il y a trop de bleus. Il faut plus de rouge. Plus de rouge. C'est stable. Allez. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Muktuk. Muktuk. Salut Muktuk. J'espère que tu vas bien. 660 et 740. Je vais quand même bien te demander ça, STP. Merci. Parce que 7 ingrédients, ça peut me permettre de faire peut-être des potions plus fortes. De tes lèvres aux oreilles des ancêtres, cela dit, il faut le dire. Que même ce très très bon travail que tu as sélectionné, ça pourrait être mieux. Ne te méprends pas, c'est une pièce, c'est une œuvre d'art. Et j'en suis fière. Mais si tu devais te trouver avec un surplus d'ingrédients et des fonds à ta disposition, je pourrais être capable d'améliorer cet objet encore plus loin que ce qu'il est actuellement. Un upgrade. Oui, un upgrade. Non. Un upgrade, c'est plus simple. Ok, souviens-toi de ça aussi. Un upgrade du chaudron peut augmenter énormément le nombre d'ingrédients stables ou augmenter le nombre d'ingrédients que tu peux mettre dedans. Une amélioration d'une étagère va augmenter la taille de sa surface, sa stabilité, te permettant de mettre plus de potions dessus. Tu y penseras, n'est-ce pas ? Ça me ferait très plaisir si je pouvais faire ça pour toi. Et toi, ça pourrait être profitable. Bon, je peux augmenter les étagères. Shelves. Pas encore. Craft some. Ah, il faut que je récupère des étagères pour pouvoir les... Ok. Très bien. Ah d'accord, j'ai compris. Plus 5% du prix. Plus 3% pour les potions. Ça, j'ai pas les ingrédients pour. Ça a l'air grave bien. Ça, c'est quoi ? Ah, 3% pour les toniques. Non mais ça, c'est bien ça. C'est un choix magnifique.
Ok, et donc si je veux l'améliorer maintenant, il me faudrait un champ pipi. Efficacité, 3 slots. 3 slots de temps, ça veut dire quoi? Ok, très bien. Je vais aller voir Mint, qui a sans doute des trucs à me donner. Oh. Non mais je prends tout hein, mais... Un calamar de rivière. Ah mais 8 rouges c'est bien hein. Oh, une corne de licorne. 8 jaunes. Mais ça j'en ai qu'un et ça aussi, mais je les donnerais bien à... Je les donnerais bien à Quinn pour qu'elle les ait dans... Il les ait dans son shop. Ça il a déjà... 3-3-3, ok. Ouais vas-y, repars à l'aventure. Forêt champignon. Tiens. Non mais ça sert à rien parce que tu peux faire que 3 combats de toute façon, non? Ouais merde. Ah, de la résistance au feu. J'aurais dû les vendre hier. Mais ils étaient pas prêts. Mais résistance au feu... C'est bien pour ça. Et voilà. Test. Putain, si j'avais une potion de mana. Et si je lui mets pas, elle va jusqu'où? Ok, il faut... Pour ça, ça lui fait un monstre en plus. Allez go. Ramène-moi des trucs bien. La quête était un succès. Oh, un minerai du lazuli. 64 rouges, 48 verts, 32 violets. Oh, je prends hein. Merci. Je vais aller voir Quinn maintenant. Ah, oh, j'aurais dû lui proposer une mission. Il est quelle heure? L'horloge, elle bouge pas tant que je suis en voyage. Hein. Ok. Monte ton shop. Ah, et le poulpe, il était en promo. Et ça, ça a augmenté de prix parce que c'est... C'est le marais mon cul. Poulpe, c'est 24 rouges. Vas-y. J'en ai plus du poulpe. Ça, je peux pas l'acheter. Ça, c'est trop cher. Ça, c'est trop cher. Ok. Allez, je donne un truc comme ça. Ok. Douze rouges. On a déjà les octopus pour faire du rouge, donc c'est ok. 12 jaunes. 4 jaunes. 4 jaunes, c'est un peu naze. Vas-y, on va faire ça. Ouh là là, je vais être pauvre après. Allez, faire mat-mat. Ok, je rentre. C'est pas cuit.
Non, putain. C'est pas là que je voulais cliquer. Allez, open shop. Oui, oui, alors, raconte pas ta vie. Ah oui, ils ont le buff sympathie. Oh putain, ouais, il faut en profiter. Plainte aux acides. Fin du tour. Déjà 35%. Allez. Il reste 6. Qu'est-ce que je fais chez Captivate? Ça fait plus 2, ce qui me permettrait de faire 6, 7, 8. Donc on serait à 8. 8. 9. Non, 8. 6. Quoi? 8. 7. 6. 5, 4. Et je pourrais encore faire un coup de ça, ok. J'ai oublié de faire pump up. Je me déteste. Je me déteste. Je suis allé trop vite. Là, j'ai que 2. On peut faire pump up. Close it out. Bon, dommage, j'ai un peu chié dans la colle. Un petit peu chier dans l'école. Au suivant. Ah, j'ai presque glissé sur une plume de chouette. C'est nul. Alors, je vais faire ça quoi, mais j'ai une main de merde là. Oh là là, le stress! J'ai jamais été aussi haut. Oh yo yo. Ça c'est gratuit hein. J'aurais dû faire ça avant, ça sert plus à rien de le faire là. Je suis que à 21%. Alors. 4, 3, 2, 1. 4, 3. De 1. Close deal. Ah, c'est dur, hein? Bottle. Ok. Je veux refaire des poissons. Des poissons. Miam miam les poissons. Alors du rouge. Est-ce que j'ai du rouge et du bleu? Rouge, vert, bleu. Non.
Ça, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, m'en fous. Est-ce que j'ai du rouge et du jaune? Rouge, vert, jaune. Non. Est-ce que j'ai du bleu et jaune? Putain. Ok. J'ai bien compris que j'allais me faire foutre. Du jaune. J'ai rien qui fait au moins un des... Enfin, deux de... des trucs, quoi. Ça, ça fait du jaune. Ça, ça fait du vert et du jaune, mais je m'en fous. Ça, ça fait du jaune. 6 jaunes. 4 jaunes. 4 jaunes, c'est nul. C'est nul. 18 jaunes. Ça, on aime. Du rouge. Là, il y a du vert, on s'en fout. Là, il y a du bleu. Non, mais j'ai dit que je voulais du bleu, con. Du bleu, 12 bleus. Ok. C'est pas très équilibré. Et maintenant, je veux du rouge. Mais du rouge, j'en veux le double. Oh. 64, 48, 32. Vache. 8 rouges. 3, 3, 3. Dommage, il y a du vert. Ouais, mais... Non, c'est pas ça que je vais mettre. 8 rouges. C'est nul. Hein. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que ça fait si je mets... des trucs qui sont pas censés être là. Là, il me faut plus de jaune, par exemple. Voilà. Et là, plus de rouge. Pourquoi j'ai du... Oui, j'ai du vert, mais j'en veux pas trop, c'est ça. Et juste du bleu. Oh, laissez-moi, je fais ma soupe. Ça va, c'est stable, y a pas trop de vert, quoi. Bon, après, ça me fait chier de mettre tous ces ingrédients. Ah, mais c'est le tiers supérieur, c'est déjà la commune. Bon, ça va, 80 balles. Allez. J'aurais dû mettre du carburant, je me déteste. Ça sera jamais fini. Je pense pas au carburant, en fait. C'est pas assez clair. Je pourrais jamais les faire aujourd'hui, du coup ça sert à rien, j'ai un peu le seum. J'ai que celle-là, quoi. Bon, allez, c'est déjà ça. Open shop. Open shop, ou je vais voir... Je vais voir Mint. Qu'est-ce que tu me rapportes? Ok, ça je connais. Ça c'est quoi? C'est 12 rouges. Ça c'est 24 verts. Ok, ok. Aventure. On va pas aller très loin. Oh non. On peut en faire que deux là? Mais pourquoi? Pour moi, elle a 3 de mana, elle pourrait faire 3 combats. Ah, mais elle a plus assez d'HP pour faire celui-là. Ça coûte 50 pièces. Allez, ça sera peut-être worth it. Putain, mais il faut que je pense à lui faire des potions de mana et tout, sinon... Faudrait que je me fasse un stock de potions de mana, quoi. Muktuk. Putain, mais je l'ai acheté une étagère et je l'ai jamais utilisée. Ah, c'est une commande customisée? Ouais, non, mais moi, mon chaudron, il est... J'ai combien de temps? Ah, 3 jours. Ok. Un tonic, 2 toniques de feu mineur. 165 balles. J'accepte.
Ah ok, d'accord, c'est en plus du reste. Je suis tellement stressée. Oh là là, mais j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. On dirait mon perso, il va exploser. Ok, il a 45% en vrai, je me débrouille pas trop, hein. Pas trop mal. Captivate, ça me donnerait du 4, ce qui me permettrait de faire un pump-up de ça. Alors, dans l'ordre. Captivate, pump-up et Rilem. Et c'est tout. Close deal. Plus 45%, c'est ok. C'est ok. Allez. Ouf. Oh, vas-y. Allez, on arrête. Je suis trop stressée. Salut, Artemis. Bienvenue dans mon humble petit magasin de potions. Ok, donc j'ai eu une commande custom de Muktuk. On est à la moitié du chemin. Oh, j'ai gagné 320 balles. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Plus que 4 jours avant la compétition. Est-ce que ce serait bizarre d'avoir des ramen au petit déjeuner? Encore quelqu'un? Ah, c'est mon ennemi, ma rivale. La voici. Où est-ce que je pourrais être d'autre? D'après ce que j'ai entendu, un peu partout en ville. Je dois admettre que je suis impressionnée par ce que tu as réussi à accomplir. Tu prévois toujours d'entrer dans la compétition, n'est-ce pas? J'avais mes doutes, mais tu me prouves que j'ai tort. Eh bien, merci. C'est plutôt gros de ta part, non. C'est pas rien de ta part de l'avouer. Oh, n'importe quoi. C'est évident pour n'importe qui que tu travailles dur, les cernes sous tes yeux, les poches sous tes yeux, en disent long. Je sais que tu es très occupée, ma chère, mais il y a toujours un peu de temps pour un peu de self-care. Oh, je me suis mal exprimée, excuse-moi. Je voulais juste te dire que tu as l'air absolument dévastée. Je sais ce que tu es en train de faire, Roxane, mais ça ne va pas marcher. Et s'il y a quelque chose de dévasté ici, c'est ta routine de méchante fille, de peste. Eh bien, je vais certainement pas rester ici à me faire insulter. J'ai du travail. Et il se trouve que je suis dans le business de te mettre
hors de business. D'accord. Ok, Roxane. Ok. Alors, la liste des événements du jour. Baisse de la valeur des potions de mana. À cause du dragon, il y a eu un truc qui a cramé, je crois. La forêt enchantée a des monstres plus faibles et moins de drops. Et les ingrédients vont coûter plus cher. Le festival des moussons, là. Plus de clients, la sympathie et les potions de base qui valent plus. Une taxe, une surtaxe de la zone des eaux Bone Waste. Comment ça s'appelle Bone Waste? Bone Waste. Les déchets osseux. Dans la zone des déchets osseux, bien sûr. Les monstres sont plus faibles, moins de loot. Et les ingrédients coûtent plus cher. Ok, bah on va aller dans la zone à champignons. Hein. Je vois que t'as accepté ta première commande custom. Ok, tu peux les envoyer par la poste. Ah, elles sont là, les custom orders. Putain, mais le jeu est trop beau de partout, de tout le moindre petit détail, là. Donc il faut deux toniques de feu dans deux jours pour... Voilà, très bien. Alors... Brouh. Bottle. Merci. Alors, un tonique de feu. C'est du rouge et du jaune. Du rouge, du jaune. Non, il y a du vert là-dedans. Merde. Du jaune. Ça, c'est que jaune. Ça, c'est vert et jaune. Ça, c'est que jaune. Ça, c'est tout. Ça, c'est que jaune. Et ça, c'est rouge, vert, jaune. Ça, c'est 6. Ça, c'est 4. Ça, c'est... Ok. J'en ai plein, j'en ai plein. De trouver l'équilibre, hein, attendez. C'est toujours mineur. Mineur et je suis déjà à 5 ingrédients sur 6. Il n'y a pas un truc qui fait plus de jaune que ça? Mais si, ça. Mais j'arriverai jamais à... Ah, mais ça augmente beaucoup en magie mims. Du coup, je vais peut-être enlever ça. Là, je suis à 4. Il me faut plus de jaune. Bah. Ah, c'est bon. Je suis passée au tiers supérieur et ça m'en fait 3. Et je n'oublie pas le cactus. Voilà, c'est parti. Je suis allée voir tout le monde. Non, il est quelle heure? J'ai voyagé ce matin? Non. Voyageons. Le jeu est trop bien. Il y a tellement de choses à faire, est-ce que vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que tu me ramènes? Ah, ça c'est bien pour craft des trucs. Ah, c'est un carburant, non? Je crois que c'est un carburant, non? C'est pour ça. Et ça, c'est une dent de crocodile. 6 rouges, 12 jaunes. Ah, oh, c'est parfait, ça! Je l'avais envoyé où? Je sais plus. Je crois que j'ai pas de... J'ai pas de potion à te donner.
faudrait que je crafte des potions. Pourquoi j'ai 21 de stress? Pourquoi ça baisse pas? Anti-poison. Ouais mais... non. Test. De toute façon tu vas faire que 3 combats donc le poison... Ah elle peut même pas faire le troisième, d'accord. Ça fait cher hein. Ça j'aime bien, tiens prends-en un. STP. Ok. Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je dois faire? Le poulpe c'est rouge. Ça c'est 12 bleus. Non mais attendez, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse les potions de base. Donc il me faut du rouge et vert ou du vert et jaune. Vert et jaune. C'est bien ça. Bon, c'est pas très fort, mais... Rouge et vert, ça c'est bien aussi. Ça, je pourrais lui en donner un et lui acheter, non? Tiens, prends un golemite. Ça a l'air bien ça, enfin les potions de base. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir besoin d'acheter quoi que ce soit en fait. Rouge et vert, rouge. Jaune. Vert. Jaune. Rouge et vert et violet. Juste rouge. Rouge et vert. Ça devrait aller. En fait. De toute façon, tu vends quoi? J'ai oublié ce que tu vends. Voilà. Donc là, je vais avoir 5% de prix plus cher, plus 3% pour les potions. Donc c'est bien. Ça, c'est pas des potions? Non, c'est des cures, c'est des remèdes. Open shop. Mais déjà 23h, oh non. Putain, c'est vrai qu'il faut les potions pour Muktuk aussi. Bon, une comme ça, ok. Et une comme ça, ok. Ok, 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 ok. Très stressé hein. Ok, ça va. Oh, pas mal. Oh.
Action. Fin de tour. C'est pas énorme, hein. Ouais. Je vais devoir faire ça et close. 79. On a un peu sauvé les meubles, mais bon. Bon dodo, Warangel. Bonne soirée à toi. Brou. Bottle. Ah mais c'est ça les potions que j'ai fait pour Mukmuk. vert et jaune. Ça sert à rien en fait, je peux mettre trois fois les ingrédients, ça m'en fait quand même toujours qu'une. Donc nul. Du coup que du jaune. Six, quatre. Six et douze, ouais, mais ça c'est du rouge et jaune. Vingt-quatre verres. J'en fais deux. Là, j'en fais trois. Mais beaucoup pour 3 fois 36. Allez. Custom order. Oh, il en voulait que deux. Parfait. Merci pour l'argent. Ok. Je vais pas aller voir Baptiste. Salut Weird! Comment tu vas? Une baie moussue. C'est 10 verres et 20 bleus. Ok. Et un bouton de lumière fantôme. Ok. 18 rouges et 6 bleus. Ok. Ok. Veux-tu partir à l'aventure encore? Ah, j'ai de plus en plus d'argent, c'est bien. Non mais j'ai toujours rien comme potion à te donner, donc tu vas faire deux et c'est tout quoi. Allez go. Go go go. Est-ce que je peux te donner un champignon? Queen, pour que je puisse après t'acheter du carburant. Non. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Ça enlève un peu de stress. Je vais faire ça. Tu peux pas avoir du succès si tu sais pas faire, je sais pas quoi. Queen sort un...
un bandeau et un sac d'ingrédients, Sylvia est hésitante. Mais Quinn a raison. Quinn a une raison. Sylvia utilise ces trucs-là dans ses potions. Elle devrait connaître ces matériaux de haut en bas, sous toutes les coutures. Ok, elle me donne le bandeau pour qu'on le mette. Il faut que je devine les ingrédients qui est dans le sac. Ok. Ah, je pensais que c'était un mini-jeu. Bon. Sylvia se sent un peu plus proche de Quinn et un peu moins stressée. Ça va super, moi, Weird. Merci beaucoup. Trop cute, Quinn. Leur énergie, y a un truc. Écoutez. J'ai qu'une potion à vendre. C'est un peu la loose. Ah mais j'ai brou des trucs, non? Bottle. Des potions de mana. Très bien. En revanche, il me faut une potion de soin pour Micheline. Un rouge, un vert. Rouge-vert. Rouge-vert, il y a ça. Juste rouge. Pas besoin de juste rouge. Juste vert. Parfait. Ça, ça en fait une. Est-ce que je peux envisager d'en faire une aussi pour... Ça m'en fait deux. Non, ça pousse pas à trois. Ah si, trois. Brou. Je peux remettre ? Ah non, je suis à six. Brou. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde pour Mint. Open shop. Ah non, c'est trop tard. Du coup, Mint est revenu ? Non. Et Baptiste, il fallait que j'aille le voir ou pas ? Peut-être. T'as oublié. Oui. Bon, la quête était un succès. Voici les bénéfices. Un cocon de mouche pourrie. 12 jaunes. C'est bien ça. Je vais en donner à Quinn. Super Nalite. 48, 32, 16. Et des larves de mouche pourrie. Maintenant, les larves de mouche pourrie, je m'en fous un peu, hein, pour être honnête. J'ai mieux maintenant. J'ai mieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, 18 jaunes. 8 jaunes, non, c'est bof. Ça, c'est quoi? 24 jaunes. Là, on parle. Ça me coûte que 40 balles. Bah, je t'en prends un peu plus. 6. Très bien, très bien, très bien. Je vais aller voir Quinn. Je vais donner quoi? Ça. A plus. Il faut que mes potions soient fabriquées avant. Putain, j'avais pas pensé. C'était un petit détail qui était écrit en bas. En gros, pour le jour de la compétition, il faut que j'ai dans mon inventaire une de chaque. Ah ouais, j'avais pas compris ça comme ça. Oh oh. Peut-être falloir commencer à s'en mettre dans les poches parce que là... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Roxane? Elle arrête pas de jeter des trucs. Des curveballs, je sais pas ce que c'est.
L'économie locale est turbulente. Si on veut espérer survivre, il faut être versatile et vigilant. Ça serait plus simple si j'avais plus de chaudron. Imagine si je pouvais brasser plus d'une potion à la fois. Bien sûr, si on fait plus de potions, j'aurais aussi besoin de plus d'étagères. La charpenterie. La menuiserie serait un bon investissement. Ok. Où est-ce que je dépense ça? Est-ce que tu connais un charpentier? Safran. Ok. On va aller voir Safran. Je sais pas qui c'est Safran. Est-ce que c'est un BG? Ou est-ce que c'est un débile comme Baptiste? Plus de commoners dans les clients. Forest, il y a un peu de forêt, donc la forêt enchantée, c'est la merde. Les marais aux champignons, c'est la merde aussi, mais ça c'est peut-être de ma faute. Et ça c'est quoi? L'allure irrésistible de Roxane. Elle inonde le marché de potions de mana. Les potions de mana ont moins de valeur. C'est con, c'est exactement ce que j'ai. Cela dit... C'est quoi ça? Display shelves. Pas de bonus. Bah, ça sert à quoi alors? Pourquoi faire? Cela dit, si je peux les mettre sur le display et les enlever, ça me permet de garder les potions que je veux surtout pas dépenser. Bon, je vais pas la vendre si le marché est noyé là. Je vais me faire foutre et puis c'est tout. Ça aussi, il faut que j'en garde une, je crois. Pour le concours là. C'est où? Fire Tonic, Common Fire Tonic, Common Mana Potion. Oui, j'ai un bel accent. Common Mana Potion, Common Fire Tonic. Ok, il me reste plus que la potion de mana. Non, de soin. Ok. Heureux, Erendis. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Bottle. Ok, alors ça c'est une potion mineure. Non. Common Health Potion. Attendez, je vais en mettre une sur l'étagère avant d'oublier, et normalement j'ai tout du coup. Voilà. J'ai les trois. J'en ai une pour... Ah non, mais il me faut un truc comme ça pour ma commande, non? Custom order. Mineur. Un tonic mineur. Ok, ok, ok. Un tonic mineur et une potion de mana de santé mineure. Ce que je n'ai pas. Ok. Alors, potion de santé mineure. Rouge et vert. Rouge et vert. Là, j'en fais deux. Comme ça, j'en donne une à Mint. Brou, deux. Mais je vais pas brou tout de suite. Donc brou 1. Retour. Et là je voyage. Je suis plein de sueur. T'as pas pris de douche? Tu n'as pas pris de douche? Pas ouf ça. Travel. Ah, Safran. Oh, c'est une femme. Oh, c'est joli par ici. Elle a des grandes oreilles. Elle a des bois et des grandes oreilles. Et un bras, c'est un arbre. Chill witch. Désolée, j'étais juste en train de sécuriser la bûche dont j'avais besoin pour terminer les retouches sur un nouveau truc.
tu fabriques un truc. C'est quoi un galéon? J'avais la flemme de regarder. Un galion. Ah, tu fabriques un galion depuis rien. On ne fait rien à partir de rien. La forêt nous fournit tout ce dont on a besoin pour nos projets. Je m'en retirerai mes lentilles avant. Pas le droit de me doucher avec Berk. Tu dois sentir la transpi. Berk. Mais du coup, t'es pas chez toi encore? Tous les charpentiers doivent... Les menuisiers, les charpentiers, les menuisiers doivent tous fabriquer un navire un jour. Il s'appelle Saffron, by the way. Est-ce que tu voudrais en savoir plus sur mes services? Moi j'ai l'impression que c'est une brosse à dents qu'elle tient dans sa main. Faut que j'aille dormir. C'est pour ça que je suis là, je m'appelle Sylvia, je dirige une boutique de potions dans la ville. Salut Sylvia, tu es très bienvenue ici. Et si les potions sont ton business, alors un jour ou l'autre, tu auras besoin de fuel, de carburant pour ton chaudron. Je peux te fournir ce que tu veux. Ok. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi beaucoup de compétences et j'ai une licence de menuiserie. Tu veux optimiser les petits espaces? Je m'en occupe en un rien de temps. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu avais besoin? Peut-être des conseils? Je suis assez nouvelle, novice, à la gestion d'un business. Ah, une petite carte, peut-être? Et moi, ça fait longtemps. Vraiment? Tu as quel âge? Ah, eh bien, c'est ton conseil, je suppose. Ne demande jamais son âge à une sorcière. Il n'y a pas de honte à vieillir. En vérité, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Je trouve ça difficile d'argumenter contre ça, même si parfois les années semblent être un fardeau. Disons juste que j'ai été dans le coin depuis assez longtemps pour voir des sacrés trucs. Si c'est vrai, tu dois avoir de sacrément bons conseils à donner. Tu es mignonne, Sylvia. Je crois que je t'aime bien. Merci. Doucement, doucement, doucement. J'aurais besoin de plus d'amis dans le coin. Ok, tu es nouvelle ici. Ce qui nous ramène au conseil que tu as demandé. Que penses-tu de ça? Je peux voir que tu es stressée. Il y a de la tension dans tes épaules. Mais tu ne dois pas laisser les épreuves de la vie, qu'il s'agisse des clients ou des dettes de ta famille, ou encore des dettes ou des dramas de la famille, te diriger. Au lieu de ça, pratique un peu de self-care mental sous forme de méditation. Ton business ne pourra qu'en profiter si tu t'épanouis toi-même. Méditer. Baisse le stress de 2. D'accord. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est très utile, merci. Est-ce que je peux acheter des étagères? La menuiserie. Oh, je peux agrandir. D'accord. Non, mais je pensais que c'était les étagères. Ok, ok. Ah, bah voilà. Voilà. Parfait. Je suis plus détendue. Je suis allée voir tout le monde? Je sais plus. Tant que je voyage, hein, il faut que j'en profite. J'allais voir tout le monde. Même s'il faut que j'aille dormir. La quête était un succès. Montre. Parfait. Nuclear Shadow. Vache. Ok. Non mais ça c'est nul. Ça c'est bien ça. Un peu de ça. Pas grand chose, hein. Mais je crois que j'ai pas de... Ah si, j'ai une potion de soin. Je peux lui donner une potion de soin. Mais c'est le mana qui va chier dans la colle, du coup.
Ah non, j'ai les deux. Une potion de mana, potion de soin. On va aller loin avec ça. Bah, la vérité c'est que non. Donc un peu le seum. Ok. Non mais il faut que j'en vende aussi. Mint. Ok. Oui voilà, ok, on va faire ça. On va faire ça. Elle voulait aussi une potion de. Un tonique de feu mineur. Un rouge, un jaune. Minor Fire Tonic x2. C'est bien brou. Brou brou. Le jeu est à la hauteur de ton attente. C'est pas exactement ce à quoi je pensais. Mais on reste quand même très proche de ce que j'attendais, donc je suis très contente. Très très contente. Ça c'est pour le. Pour vendre. Ça c'est pour. Oh non mais on a dit pas les potions de mana parce que l'autre connasse là. Sans vouloir être vulgaire, bien sûr. Non, mais il y en a une pour Mint et une pour... Ça augmente la santé de 10. Ça augmente la santé de 5. Bon, ça fait chier, je peux pas vendre grand-chose parce que... On a une machine qui nous emmerde. Eh ben, je vais aller baisser mon stress. Voilà ce que je vais faire. Avec Queen. Oui, je m'amuse beaucoup. J'ai pas envie d'arrêter, là. Il faut que je termine cette journée et... C'est quoi, rank up? Ah, je peux avoir une carte en plus? Ah, mais moi, je veux baisser mon stress. Moi, je peux faire les deux, hein. Ah, non. Ça me fait perdre un. J'imagine que j'ai un instant. Il va me donner une nouvelle carte. C'est une drôle de localisation pour un business, n'est-ce pas ? J'aime la vue. Tu peux voir toute la ville. Oui, tu peux voir les problèmes arriver de loin. Écoute, en business, il faut que tu utilises n'importe quel avantage que tu as pour avoir le dessus. Ou alors pour faire un coup bas. Tu as la main. C'est là qu'il faut appuyer ton attaque. Presse et attaque. Augmente l'intérêt par 5 et fait tirer une carte. Ah. C'est pas mal ça. Voilà l'histoire, il y a un total de 4 chocolatiers dans ma ville. Chacun d'eux donne
un échantillon gratuit par client par jour. Qu'est-ce que tu attends ? Va les chercher, ramène-les ici. Les chocolatines ne sont pas dures à trouver. En quelques minutes, elle a trouvé des petits chocolats. Il va tout manger ? Je ne sous-estimerais pas ma fainéantie si j'étais toi, mais j'ai été bannie de ces étalages, des quatre. Mais t'es bannie de partout, Queen. Eh bien, dans ce cas, je suis contente d'avoir pu t'aider, j'imagine. Je vais partager si tu veux. Mais ils utilisent des ingrédients inhabituels dans ces trucs. Tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans tant que tu n'as pas mordu. Des ingrédients inhabituels, comme des morceaux de monstres, entre autres. Dis-moi en plus. Pourquoi utiliser de tels ingrédients ? Pendant tout ce temps, l'île a été isolée de tout pendant un certain temps, et pendant tout ce temps, elle baignait dans son jus magique. À peu près tout ce que tu trouves ici aura de la magie dedans. J'imagine qu'on peut remercier la sorcière morte pour ça, Maven. Elle a fait des expérimentations plutôt innovantes à la guilde des héros, avant que la guilde des héros la tège. On dirait presque que tu l'admires. Est-ce qu'elle n'était pas méchante ? C'est mieux méchante que chiante. Trou. Mais peut-être qu'elle aurait pu m'apprendre des trucs. Peut-être. Peut-être que j'aurais pu lui apprendre des trucs. Dans tous les cas, le terrain que Maven a laissé derrière elle est un endroit bizarre et plein de trucs bizarres. J'aime quand c'est bizarre. Bizarre, c'est rare. Bizarre, ça a de la valeur. La partie difficile, c'est d'avoir les meilleurs trucs dans les mains. On a besoin des héros locaux pour ça. Ils se reposent sur les potions quand ils vont ramasser des trucs. Donc si tu améliores tes crafts, ils vont être meilleurs, et toi et moi on en profite. On est dedans ensemble. C'est presque mignon. Ouais bien sûr, ouais, c'est super mignon. Trop cute. Tant que t'es pas un point mort. Il faut que j'y retourne. Boxeur. Angoisse quand je le laisse pendant trop longtemps. Et t'as du taf. C'est qui Boxeur ? J'ai pas vu qui c'était Boxeur. Bon dodo Erendis. Bonsoir Salvador Limones. Bonsoir à toi. Eh ben, on a beaucoup papoté, mais on n'a pas beaucoup travaillé, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté ? Du cactus. Ça, c'est quoi ? 18-6. Pigment pomme. Ok. Et ça, on connaît. Ok. Très bien, très bien. Je te renvoie en mission. Potion de soin, potion de mana. Ben non, j'ai rien. Du coup, tu t'arrêtes là quoi qu'il arrive ? Ok, on va arrêter d'aller là, c'est chiant. mais ici, c'est moins bien, je crois. Il y a un feu de forêt. Enfin, on verra bien. Si tu pars sans rien, tu vas où ? Là. Donc je te mets un peu de mana. Et si je te mets une potion de santé, tu fais tout. Ok. Putain, le temps passe si vite. J'ai l'impression que je prends juste 5 minutes pour lire un truc et la fois suivante, quand je regarde, une demi-heure s'est écoulée. On devrait peut-être rentrer, non ? J'ai rien fait aujourd'hui, je crois.
Me dites pas qu'il a fusionné en... Putain. Mais pourquoi c'est devenu... Je comprends pas pourquoi il s'est transformé en potion supérieure, là. Parce qu'il avait toutes les étoiles. Mais non, mais moi je vois un truc de merde, là, pour la commande. Bon, je vais en faire qu'un. Un rouge. Mais c'est chiant. Y a pas un truc moins bien ? Si. 8. Un rouge. Un jaune. C'est bon. C'est bon. Open shop. On est déjà à 35. C'est nul cette main. Ok, 45. Captivate, donc plus 2. Pump up 1. Non mais ça sert à rien, pump up 1. Bon, je le mets parce que ça sert à rien, mais... Ça change rien. 45. Oh, suivant. C'est Robin des Bois. Allez. C'est quoi ça? Ça augmente le stress de 1 quand je joue une carte. Sympa. Captivate. End turn. Oh là là, mon stress! Alors, setem up. Captivate, de toute façon c'est gratuit. Sympathie. 2. Ouf! Allez. Close deal. 47%, c'est pas mal du tout. Au suivant. Ok, captivate. Fin du tour. Ok, 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 tout va bien. Captivate. Pump up. Set them up. Ok, fin du tour. Mm-hmm.
Plante de cidre, c'est combien? C'est 8 au début d'un tour. Ça, ça augmente de 7. Ouais, je vais faire ça pour 7. Close deal. Ça a l'air intense, la vente. C'est donc ça, la vie de commercial. Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est tout pour aujourd'hui. C'est l'heure de dodo. Ce n'est pas une mauvaise fabricante de potions, mais elle ronfle. Jour suivant, un autre jour. Il est déjà l'heure d'arrêter. C'est dramatique. Plus je m'amuse, plus le temps passe vite. Il faut que je vous quitte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce stream.